إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous pour ce cinquième épisode de l'émission Récite comme le prophète عليه الصلاة والسلام. Alors aujourd'hui ça va être un épisode assez spécial puisque ça sera une émission spéciale questions-réponses, Inch'Allah. Vous m'avez envoyé un certain nombre de questions et je vais tenter, Inch'Allah, dans les limites de mes connaissances, d'y répondre avec la plus grande rigueur, Inch'Allah. Donc la première des questions nous dit, Salam alaikum wa rahmatullah, j'ai des questions concernant Al-Jazariya de l'imam Ibn Al-Jazari. J'aimerais savoir s'il existe, si elle existe en français, et s'il existe aussi son commentaire en français. Je lis l'arabe, mais je ne le comprends pas, malheureusement. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de Jazariya en français, et j'ai envie de dire, entre guillemets, heureusement. Parce que Al-Jazariya déjà est assez complexe, et il serait très difficile de traduire Al-Jazariya. Le conseil que je donne à cette personne qui pose la question, c'est la chose suivante. Au lieu de chercher la traduction de Al-Jazariya, il faudrait plutôt se consacrer à l'apprentissage de la langue arabe. Et vous me direz, pourquoi est-ce que je dois apprendre la langue arabe pour comprendre Al-Jazariya? Eh bien, pour des raisons très simples. D'abord parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la langue qui sera parlée au paradis sera la langue arabe. On parlera tous la langue arabe au paradis avec le prophète alayhi salatu wasalam et avec tous ceux qui peupleront le paradis. La deuxième des raisons, c'est que la langue arabe, c'est la clé du savoir. C'est avec la langue arabe que tu vas comprendre de la meilleure des façons la science coranique et la science du fiqh, la science, toutes les sciences ne pourront être comprises que avec la bonne maîtrise de la langue arabe. Tu peux écouter des dourous en arabe, en français, pardon, tu peux écouter des dourous en français, c'est très bien, mais jamais tu n'obtiendras la science exacte si tu ne connais pas la langue arabe. Et puis, la troisième des raisons, qui est une raison très simple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ou plutôt interpelle le prophète alayhi salatu wasalam en lui disant, c'est un livre que nous avons fait descendre sur ton cœur en ayant utilisé la langue arabe. Et ainsi nous comprenons que Allah subhanahu wa ta'ala spécifiquement a choisi la langue arabe pour langue officielle pour le Coran al-Karim. Donc c'est encore un argument qui doit nous convaincre d'apprendre la langue arabe. Donc cette personne, Inch'Allah, va se consacrer à l'apprentissage de l'arabe. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour vous renvoyer vers le site d'un ami qui s'appelle Mustafa Abu Umama, que vous devez connaître. C'est quelqu'un qui donne un certain nombre de cours sur Internet. Vous allez sur son site, son surnom c'est l'Oasis de l'Excellence. Donc vous allez sur l'oasisdelexcellence.com. Vous vous inscrivez, c'est quelqu'un qui a mis en place une méthode pour que vous soyez bilingue en 3 ans. C'est quelqu'un qui vous donne des cours, comme ce que nous sommes en train de faire, hein, des cours via Internet. Vous êtes derrière vos écrans, lui est derrière sa caméra, et il vous donne des cours totalement à distance. Donc, l'oasisdelexcellence.com, le frère Mustafa Abu Umam. Deuxième des questions qui nous dit, Salam alaikum wa rahmatullah, je voudrais savoir si tu pouvais donner des cours et corriger la lecture via Skype. Alors, je corrigerai pas via Skype, Inch'Allah. Ce qu'on fera peut-être à l'avenir, c'est vous corriger au téléphone, comme le fait Cheikh Ayman Rojdi Swade. Je suis en train de voir avec le studio Ranim dans lequel je suis aujourd'hui pour mettre cela en place, Inch'Allah. On essaiera de faire comme le fait Cheikh Ayman. Vous appelez, Inch'Allah, et moi je vous corrige en direct. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Je t'écris car j'ai vu ta première vidéo sur le Tajwid. Je la trouve super intéressante. Cependant, j'ai entendu dire que Sadaqallahu al-Azim, à la fin de la récitation, est une innovation, une bid'a. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Première des choses, nul doute sur le fait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité. Sadaqa, ça veut dire la parole est véridique. Nul doute sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le véridique. Il nous dit d'ailleurs dans un certain nombre de versets
قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que sa parole est véridique. Le prophète alayhi salatu wasalam également nous dit que tout peut être faux sauf la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est certes véridique. Ça c'est le premier des points. Deuxième des points, nul doute sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le azim, sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le grand. Donc sadaqa Allah al-azim, sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique, et al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Maintenant, est-ce que pour autant on doit dire sadaqa Allah al-azim? Eh bien, dans aucun hadith vous ne trouverez que le prophète alayhi salatu wasalam, à la fin de sa récitation, dit sadaqa Allah al-azim. Le prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'un compagnon terminait sa récitation, il lui disait simplement hasbuk. C'était la seule chose qu'il disait. Mais de là à dire que sadaqa Allah al-azim est une bid'a, on ne peut pas affirmer cela. Tous les savants sont donc unanimes pour dire que sadaqa Allah al-azim n'a jamais été prononcé par le prophète alayhi salatu wasalam à la fin de sa récitation. Et malgré cela, on ne peut pas dire que sadaqa Allah al-azim est une bid'a. Et d'ailleurs, tous les savants sont unanimes pour dire que ce n'est pas une bid'a. Maintenant, est-ce qu'il y a un mal à dire sadaqa Allah al-azim à la fin de la récitation? Il y a une divergence sur ce point. Certains savants disent que oui, il faut dire sadaqa Allah al-azim. Certains savants disent que non, il ne faut pas dire sadaqa Allah al-azim. Mais la chose la plus importante, c'est que la divergence est juste sur le fait de dire sadaqa Allah al-azim ou non. La divergence n'est pas sur le fait que sadaqa Allah al-azim est une bid'a. Il est clair que ce n'est pas une bid'a. Et juste une remarque pour terminer, la majorité des récitateurs disent sadaqa Allah al-azim à la fin de la récitation. Question suivante, où as-tu appris le Coran? Où me conseillerais-tu d'aller pour mémoriser le Coran? Barakallahu fik pour la question, une question très importante. Et je vais ouvrir une parenthèse pour répondre à cette question, inshallah. Il faut savoir d'abord que l'apprentissage du Coran n'est pas une obligation. Le prophète alayhi salatu wasalam, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous a pas obligés à apprendre le Coran al-Karim. Cheikh Ayman dit toujours que l'apprentissage du Coran est semblable à un marathon. On commence tous à apprendre le Coran al-Karim dans notre plus jeune âge. Mais au fil du temps, certains abandonnent, certains arrêtent et certains continuent. Au début du marathon, vous avez des milliers de personnes. Et à la fin du marathon, vous n'avez plus que quelques personnes, quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. Donc l'apprentissage du Coran n'est pas une obligation. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala accorde une certaine importance à ses serviteurs qui apprennent le Coran al-Karim, qui malgré ses difficultés vont apprendre le Coran al-Karim. Donc si toi mon frère ou toi ma sœur, tu es intéressé par l'apprentissage du Coran, je vais te donner un certain nombre de conseils qui te faciliteront et qui te guideront dans ton apprentissage du Coran. Je pense que c'est la question la plus importante de cet épisode et je remercie la personne qui l'a posée. Donc on revient pas sur les bienfaits de celui qui apprend le Coran al-Karim. Vous savez, celui qui apprend le Coran al-Karim fera partie de la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui apprend le Coran al-Karim intercédera en sa faveur le jour du jugement. Il intercédera en sa faveur dans sa tombe. Et un hadith très important qui est malheureusement peu connu, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, celui qui apprend le Coran al-Karim, lorsqu'il sera dans sa tombe, le Coran al-Karim va se matérialiser en un homme qui va tenir compagnie à cette personne qui a appris le Coran al-Karim. Et le Coran al-Karim matérialisé en homme dira à cette personne, tu m'as accompagné durant toute ton existence, à mon tour maintenant de t'accompagner maintenant que tu es dans ta tombe. Et il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est seul dans sa tombe et quelqu'un qui est accompagné. Une différence très importante parce que tu as quelqu'un avec toi qui va te conseiller, qui va dire ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, Inch'Allah. Donc ça c'est la première des choses, c'est les mérites de ceux qui apprennent le Coran al-Karim qui sont largement expliqués par les savants. Deuxième point maintenant, le Coran al-Karim, pour apprendre le Coran al-Karim, il faut faire une chose très simple dans un premier temps. Et d'ailleurs c'est un préalable à tout acte d'adoration. Ou d'ailleurs à tout acte, c'est la sincérité. Tu dois être sincère dans ton action. Si tu apprends le Coran al-Karim, c'est uniquement pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement dans cette optique que tu apprends le Coran al-Karim. Tu n'apprends pas le Coran al-Karim pour qu'on dise c'est un waouh, quel récitateur. Pour qu'on dise, Masha'Allah, il a appris tout le Coran, ou alors pour monter en grade, ou alors pour ceci, pour cela. Tu apprends exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même parole pour les savants, pour ceux qui donnent des cours. Tu ne donnes pas des cours pour qu'on dise il donne des cours. Tu ne fais pas ceci pour qu'on dise il fait cela. Tu fais ça uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité. Et d'ailleurs, tu remarqueras que si tu n'es pas sincère, Allah subhanahu wa ta'ala
te mettra des barrières au travers de ta route. Il ne te permettra pas de continuer. Ou alors même si tu continues, tu seras jugé sur cela le jour du jugement. Deuxième des points, la volonté et la ténacité. La volonté est quelque chose de très important parce que c'est ce qui te permet d'apprendre le Coran al-Karim. Si tu n'es pas volontaire, tu ne pourras pas apprendre le Coran al-Karim. C'est-à-dire que personne ne doit t'obliger à l'apprendre. Et là, c'est un message aux parents. Vous ne devez pas obliger vos enfants à apprendre le Coran al-Karim. Parce que même si ils apprennent un certain nombre de hizb, un certain nombre de sourates, c'est voué à l'échec, c'est voué à l'abandon, parce qu'ils ne l'auront pas fait de leur cœur. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient, mais parce que c'est vous qui vouliez qu'ils apprennent. Donc on laisse le libre choix aux enfants pour apprendre le Coran al-Karim. Ou plutôt, on ne leur impose pas, on essaie de passer par d'autres chemins pour qu'ils apprennent le Coran al-Karim. Premier point. Deuxième point, on a dit la ténacité. Si tu as décidé d'apprendre le Coran al-Karim, tu as la volonté, tu vas apprendre. Maintenant, il faut que tu sois tenace. Parce que al-Shaytan, dès qu'il va savoir que tu vas apprendre le Coran al-Karim, va commencer à te mettre des barrières. Il va te dire, regarde, 60 hizb, tu vas apprendre 60 hizb, 114 sourates, plus de 600 pages. Comment est-ce que tu vas faire, etc. Et toi, tu dois être tenace. Tu dois être tenace et tu dois continuer à apprendre et tu dois persévérer. Troisième des points, tu dois choisir le bon moment et tu dois choisir le bon endroit. Pour le bon endroit, c'est simple, tu dois choisir un endroit dans lequel tu ne seras pas dérangé, un endroit au calme. Et pour ce qui concerne le moment, les savants sont unanimes sur cela, tu dois apprendre le Coran al-Karim, ou plutôt il est conseillé d'apprendre le Coran al-Karim au moment de Salatul Fajr. Lorsque tu te lèves le matin pour prier, c'est le moment le plus propice pour apprendre le Coran al-Karim. Parce que les docteurs, les savants de la science démontrent par A plus B qu'au moment de l'Fajr, ton cerveau est le plus apte à mémoriser, ton cerveau est le plus apte à capter et à apprendre. Et donc c'est pour ça que tous les savants vous conseilleront d'apprendre le Coran al-Karim au moment de Salat al-Fajr. Quatrième point, s'éloigner des péchés. Tu ne peux pas prétendre apprendre le Coran al-Karim tout en t'approchant des péchés. Plus tu apprends le Coran al-Karim, et plus tu dois t'éloigner des péchés. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, nous avons trois étapes. Nous avons l'apprentissage, nous avons la compréhension, et nous avons l'application. Et ton apprentissage ne sera complet que lorsque tu auras franchi toutes ces trois étapes. C'est-à-dire lorsque le prophète parle d'apprentissage, il ne parle pas seulement d'apprentissage intellectuel. Lorsqu'il dit apprentissage, il entend par là l'apprentissage, la compréhension et l'application. C'est-à-dire que si tu apprends le Coran al-Karim seulement, intellectuellement, si tu l'apprends seulement, tu n'as pas appris le Coran al-Karim. Si tu l'apprends, que tu le comprends, mais que tu ne l'appliques pas, tu n'as pas appris le Coran al-Karim. Si par contre tu l'apprends, tu le comprends et tu l'appliques, à ce moment seulement, tu auras appris le Coran al-Karim. Et on ne demande pas à celui qui apprend le Coran al-Karim d'être quelqu'un de parfait. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas aux musulmans d'être parfaits. Il nous dit dans Surat al-Mulk, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous évaluer et pour voir lequel d'entre vous aura le meilleur des comportements. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour être des gens parfaits. Il nous a créés en tant qu'êtres humains. Nous avons des passions. Nous pouvons tomber, nous pouvons commettre des péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut ici celui qui a le meilleur des comportements. Et celui qui apprend le Coran al-Karim, a fortiori, doit être quelqu'un qui a un comportement exemplaire, ou doit s'efforcer d'avoir un comportement exemplaire, parce que tu portes la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre point, et là c'est un conseil que je donne aux parents. Oh vous les parents, vous qui avez des enfants et qui voulez qu'ils apprennent le Coran al-Karim, le conseil est le suivant. L'enfant lorsqu'il est jeune, et je parle par expérience personnelle, l'enfant lorsqu'il est jeune ne peut pas se mettre tout seul sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la capacité de raisonner, il n'a pas la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Plus il avance dans le temps, plus il grandit et plus il arrive à distinguer le bien et le mal. Mais lorsqu'il est enfant, lorsqu'il est petit, c'est à toi de le mettre sur le bon chemin. C'est à toi, grâce à ton intelligence, à la lumière de ta foi et de ton intelligence, de le mettre sur la bonne voie.
Donc c'est à toi de l'inscrire dans des cours de Coran, c'est à toi de lui offrir des cadeaux lorsqu'il apprend le Coran. Comme je vous dis, il faut pas forcer vos enfants, il faut plutôt essayer de les faire, de les mettre sur le chemin du Coran en leur offrant des cadeaux. Et d'ailleurs c'est bien, c'est bon d'offrir des cadeaux. Tu lui dis, si tu apprends ceci, je te donne cela. Et une fois que l'enfant sera sur le bon chemin ensuite, cela ne t'appartient plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut, comme il nous le dit. Yahdi man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide qui il veut. Toi tu fais ton travail, tu le mets sur le bon chemin, et ensuite s'il décide de rester sur le chemin, alhamdoulilah, ça sera en partie grâce à toi. Ça sera d'abord par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite grâce à toi. Par contre s'il dévie, ça ne t'appartient plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi de le faire dévier. Par contre c'est à toi, lorsqu'il est enfant, de le mettre sur le bon chemin. Tu ne peux pas dire lorsqu'il grandit, il a raté sa vie, alors que toi tu n'as rien fait dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, tu es là pour lui. Parce que si tu ne le mets pas sur le bon chemin, d'autres personnes vont se charger de le mettre sur un autre chemin. D'autres personnes vont se charger de lui donner des idées. Donc à toi de prendre en charge ton enfant, ou plutôt de prendre en charge tes enfants. Point suivant, lorsque tu apprends le Coran al-Karim, tu dois apprendre sur le même mushaf, sur le même livre. Parce que nous avons ce qu'on appelle la mémoire visuelle. Tu n'apprends pas seulement en écoutant, tu apprends également en regardant. Et si tu changes de mushaf, tu seras perturbé. Si tu changes de mushaf, lorsque tu réciteras, ta mémoire visuelle va subir un conflit. Ta mémoire visuelle sur l'ancien mushaf et sur le va se mettre en conflit avec la mémoire visuelle du nouveau mushaf. Autre point, la révision et le tajwid. Tu as appris le Coran al-Karim, c'est très bien, mais tu dois consacrer une grande partie à la révision. Parce que si tu ne révises pas, tout ce que tu auras fait sera vain. Tout ce que tu auras fait aura disparu. Parce que c'est la révision. Le prophète alayhi salam nous dit, le Coran al-Karim est semblable à une chamelle que tu n'attaches pas. Plutôt, le Coran al-Karim s'en va plus rapidement qu'une chamelle que tu n'attaches pas. Si tu n'attaches pas une chamelle, enfin à l'époque du prophète alayhi salatu wasallam, lorsqu'il n'attachait pas une chamelle, elle s'en allait très rapidement. Et le prophète alayhi salatu wasallam nous dit, l'oubli du Coran est plus rapide que cela, pour nous donner une image. Et il nous dit également dans un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré tous les péchés, et je n'ai pas vu péché plus important, péché plus grand, qu'une personne qui apprend un verset et qui l'oublie. Donc lorsque tu apprends le Coran al-Karim, tu prends une responsabilité très lourde. Et c'est pour ça que tu dois réviser constamment le Coran al-Karim. On a dit également le tajwid, et ça je vous l'ai expliqué dans la première des vidéos, il est très important d'apprendre le Coran al-Karim avec le tajwid, parce que il sera difficile de changer, il sera difficile de rectifier le tir. Dernier des points, une fois que tu as appris le Coran al-Karim, que tu l'as compris et que tu essaies de l'appliquer, il te reste une dernière chose à faire, une dernière étape à franchir, c'est le fait de transmettre le Coran al-Karim. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous ou la meilleure d'entre vous est la personne qui va apprendre le Coran al-Karim et qui va par la suite le transmettre. Parce que tu as une très lourde responsabilité lorsque tu apprends le Coran al-Karim. Et il nous dit également dans un autre hadith, celui qui apprend le Coran al-Karim et qui ne le transmet pas est semblable à une bouteille de parfum fermée. Le parfum sent très bon, mais en fermant la bouteille, le parfum ne s'évapore pas et tu ne jouis pas de l'odeur du parfum. Donc très important, tu apprends dans l'optique, par la suite, de transmettre. Barakallahu fikoum pour votre écoute. On va s'arrêter ici pour cet épisode, et on continue les questions-réponses, inshallah, dans la prochaine vidéo. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.